Kate Middleton était à la fois chic et convaincante dans son ensemble tailleur pantalon rose, le 25 mai dernier. Le look working girl de Kate Middleton, la princesse de Galles, envoyait un message clair et net. Cependant, il s'agit aussi d'un message d'espoir selon une styliste experte. Kate Middleton s'affiche actuellement comme l'une des femmes royales les plus actives. En effet, la princesse de Galles, 41 ans, enchaîne les engagements publics. Et à chacune de ses apparitions, s'y est-il toujours un plaisir de s'émerveiller devant ses tenues impeccables. Si comme toutes les femmes royales, la princesse de Galles nous avait habitués à la robe midi, simple tailleur et escarpins, la donne a quelque peu changé. Cela fait longtemps que Kate Middleton s'affiche dans des looks working girl sublimes et plus affirmés. Lors de ses dernières apparitions, l'épouse du prince William s'illustre de plus en plus en powersuit. Le powersuit, plus qu'une façon de s'habiller étroitement liée à l'empowerment des femmes des années 80, est un porteur de messages. Kate Middleton utilise sa garde-robe pour montrer qu'elle n'a pas froid aux yeux, déclare le Daily Mail dans son article du 26 mai. Le 25 mai dernier, l'épouse du prince William, prince de Galles, 40 ans, s'est encore une fois illustrée dans un ensemble veste-pantalon au Foundling Museum de Londres. Une façon pour la femme royale active qu'elle est de prouver qu'elle est tout le temps à la mode tout en montrant qu'elle ne plaisante pas, selon les experts de la mode. D'autant plus que quelques manifestants anti-monarchie étaient campés devant le musée. Kate Middleton, le poursuit rose blush de la princesse de Galles est un message d'espoir pour cette dernière sortie. La princesse de Galles, 41 ans, a opté pour une combinaison veste pantalon et chemise rose blush. La styliste de mode Miranda Holder a déclaré, si est-il un look idéal lorsque Kate court d'une apparition publique à l'autre. Le choix de ce rose blush de Kate Middleton ne serait pas anodin, mentionne Suzy Asley, la patronne de Styled by Suzy. Cette dernière a annoncé que la maman de George, Charlotte et Louise a voulu éviter de paraître trop formelle et a voulu ajouter de la féminité à son apparence. Il se pourrait que les membres de la famille royale adoptent davantage le rose en ces temps sombres afin d'égayer l'humeur et d'envoyer un message d'espoir à un moment où nous en avons le plus besoin, explique Suzy Asley. À propos de l'auteur introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles, une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril.